pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas partout en Côte d'Ivoire maintenant? Les saisons diffèrent d'une région à l'autre. La déforestation qui cause tous ces problèmes. La déforestation. Our journey exploring the future of African forests ends in Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire is a pressing example of the problems facing the whole continent. In the last 50 years, the country has lost nearly 90% of its primary forest. Cocoa was the main driver, and Côte d'Ivoire is the world's largest exporter of the crop. Ici, c'est la ruée vers le site de production de cacao. Il fallait aller vite, il fallait occuper l'espace vite. Et la preuve que tu as occupé l'espace, c'est en coupant la forêt. Alors, il faut dire que la principale cause de déforestation, c'est l'agriculture. Comme vous le savez, nous sommes un pays agricole et la pratique, les techniques agricoles que nous utilisons, cette technique-là dévore l'espace. Côte d'Ivoire's largely rural population is heavily dependent on cash crops to survive. Yet in a bitter irony, clearing forests to plant these cash crops is setting them on the road to ruin. The majority of the country's cocoa, in particular, is produced by smallholders across the country. La terre est fatiguée parce qu'il ne pleut pas assez. C'est le manque de pluie qui fait que la terre est fatiguée. Aujourd'hui, il y a une longue saison sèche par rapport à la saison de pluie. Pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas partout en Côte d'Ivoire maintenant? Les saisons diffèrent d'une région à l'autre. La déforestation qui cause tous ces problèmes. La déforestation. Et nous sommes obligés de détruire les forêts pour gagner de grandes superficies. This is the dilemma faced by Côte d'Ivoire and its government. Loss of primary forest clearly has disastrous effects. Yet the demand for cash crops and the revenues they bring keep millions out of poverty. Vous avez naturellement d'abord les planteurs, mais il y a toute une chaîne de travail qui se met en place depuis la plantation jusqu'au bateau. Ça veut dire que pratiquement un tiers de la population de Côte d'Ivoire, directement ou indirectement, tire ses revenus de l'existence du cacao. S'il n'y a plus de forêt, nous n'aurons plus de pluie et donc plus d'agriculture. Et bienvenue la pauvreté, la sécheresse et les conflits. Les conflits vont s'intensifier. But if clearing forest for cash crops is the obvious driver of deforestation, there are a number of underlying causes which need to be understood before they can be addressed. Most cash crops are produced very inefficiently in Côte d'Ivoire, but there is a lack of awareness and capacity among farmers to change their practices. Due to the political instability of the past 15 years, the Ivorian state has very limited resources to protect its remaining forests and stop encroachment by farmers. Meanwhile, the farmers themselves are often very unsure over their rights and titles to the land they occupy, which doesn't encourage them to farm sustainably. Compounding this, they are extremely vulnerable to harvest failure and changes in the price of fertilizers or pesticides, not to mention fluctuations in international market prices over which they have no control. Issues like these cannot be addressed by local conservation initiatives. They require government-level, broad and participatory processes. And this is where the Red Plus mechanism is playing a part. Le nouveau code forestier qui a été mis en place justement règle ce problème du conflit entre les paysans et les arbres qui sont sur leur terre. Aujourd'hui, donc, on leur demande que ces arbres-là, s'ils sont plantés, peuvent leur apporter de l'argent, mais ensuite, ces arbres-là leur appartiennent. Et à partir du moment où, scientifiquement, on leur démontre que la présence des arbres sur leur parcelle ne va pas empêcher leur production d'être celle qu'elle était avant et même peut même la potentialiser, je crois que nous n'avons pas de problème. Qu'il est possible d'avoir une coexistence pacifique entre hommes, forêt et préservation de l'environnement et de la biodiversité. Cela est faisable avec beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. Les populations, elles, n'ont pas intérêt à détruire la forêt. The Red Plus approach is being tried out all over Africa,
And here in Côte d'Ivoire, the UN is one of the major players. Et dans cette phase de préparation, nous sommes en train de mettre toute l'architecture en place, un système de paiement pour services environnementaux, un système de surveillance spatiale des forêts, renforcer le dialogue interministériel. One of the greatest challenges here and across Africa is that the forests are a resource that cut across different sectors of public life. Il y a beaucoup de défis, hein, il y a beaucoup de défis. Comme on le dit, c'est harmoniser nos politiques sectorielles. Hein. Vous savez que nous avons un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Énergie et des Mines, un ministère de l'Environnement, un ministère des Forêts, qui n'ont pas tous les mêmes visions, les mêmes objectifs. The key challenge for Red Plus is how to bring these sectors together. Agriculture, energy, infrastructure and mining must converge around the same goals which balance poverty alleviation and rural development. Mais ce qui est intéressant sur la RED, c'est que c'est vraiment un processus vert en transition agricole, vert en transition à une économie verte. RED Plus is about more than payments for carbon. It must bring about a paradigm shift. It has been proven that poor farmers can actually derive a better living from adopting sustainable agriculture within forests than by clearing them to free up more land. Agroforestry, ecotourism, sustainable production of forest products, there are many options, but farmers need to be taught how and supported while they make the shift. Agriculture zéro déforestation. Comment arriver à produire les mêmes quantités sans détruire notre forêt? C'est cela l'objectif de la RED+. Finding the right balance between forests, livelihoods and development needs a comprehensive approach. But to have any chance of success, it must be underpinned by political commitment at the highest level. Fortunately, the president himself is stepping in to promote zero deforestation agriculture. This means engaging with multinationals and ensuring that all ministries and other stakeholders come together to design and implement a truly collective response. Le vrai problème de la déforestation, le vrai problème du changement climatique, ce n'est pas le manque de solutions, c'est la capacité à informer rapidement toutes les personnes des solutions que nous avons et à leur donner les outils pour aller à l'encontre de pratiques qui nuisent à notre développement. S'ils ont été capables de défricher près de 8 millions d'hectares à la Matiette et à la Daba, replanter des arbres sur ces hectares-là, je crois que ce serait un jeu d'enfant pour eux, pourvu qu'on leur donne les moyens techniques et qu'on leur en donne l'intérêt économique. Donc, pendant que la Côte d'Ivoire développe les activités d'agriculture, elle devait mettre en place un système qui permet de conserver durablement les aires protégées. Parce qu'il y a un lien fondamental qui existe entre la conservation de la nature et l'amélioration de la productivité. Côte d'Ivoire, like DRC, appears furthest along the track towards a fully integrated process to tackle deforestation. The country is developing a healthy mix of a policy-driven approach to RED+, involving private sector and communities, all supported by a strong national leadership. This could well prove to be a game changer and an example to be followed in the fight to safeguard the future of African forests and put the continent on track for its sustainable development goals.